le sport, mais on sait qu'il est quelque part, on en parlera tout à l'heure, mais un livre qui vient juste de sortir, qui va peut-être devenir un spectacle, je ne sais pas, hein, non. Mon but n'est pas d'aller m'enrichir sur le dos d'un pays qui a beaucoup souffert, et qui est celui de mes ancêtres, mais d'apporter un savoir-faire, une dynamique, former des jeunes aux technologies nouvelles. Vous connaissez un peu le pays ? Non, pas vraiment. Je suis née à Asnières. La première fois que je suis allée là-bas, j'avais 13 ans, et c'était pour l'enterrement de mon père. Depuis, sans mots, je me suis mis à fréquenter les cafés, les restos des blédards, dans lesquels je n'étais jamais les pieds jusque-là, pour retrouver des odeurs, la musique d'une langue, une philosophie du monde. Il y a une quinzaine d'années, je suis retournée au pays. Cette fois-ci encore pour un enterrement. Un oncle maternel que j'aimais beaucoup. Je suis restée peu de temps et la raison de mon voyage ne prêtait pas à l'observation sociale. Mais un étrange sentiment d'inertie, une sorte de fatigue générale se dégageait des gens. Et elle était visible à l'œil cru et nu. Il faut dire que la période était très difficile. C'était vers la fin de la décennie noire et le peuple était encore enseveli sous les souvenirs de la violence. Dans le livre, quand le demande à Dieu, lui dit, mais après la mort de Mounienne, qu'est-ce qui s'est passé? Le président, est-ce qu'il a fait quelque chose pour l'espoir? Il dit, oh, oui, il a ouvert quelques fenêtres, il va assister à ce passé. Par là, il a trouvé des importations frigidaires, des machines, etc. juste pour calmer un peu le jeu. Mais. Comment? C'est ça. C'est vrai, en plus, c'est l'espoir, ça ne mange pas de pain. Hein. Et donc, pour le printemps berbère, en fait, quand il voulait. Ils sont allés le chercher, ils l'ont cherché partout, ils l'ont pas trouvé, ils l'ont trouvé dans les endroits, dans les deux bistrots avec des prostituées, complètement sous. Ils l'ont attrapé, ils lui ont dit voilà, on prépare un truc du feu, il faut que tu viennes nous aider. Il a dit allez vous faire voir, je n'ai plus envie, je ne crois plus en rien, c'est terminé, c'est la dernière fois, je ne veux plus avec vous. Donc ils l'ont attrapé, ils l'ont secoué, ils l'ont même tapé, ils lui ont fait boire du café, ils lui ont fait prendre une douche, ils lui ont acheté une cravate. Vous savez, puis non, ils ont fini par le convaincre. Non, pour moi, non, mais...